Ce mois, nous avons découvert la nouvelle émission culinaire de la RTS qui s'appelle Bon App. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une émission présentée par Alors Brender. Alors c'est parti pour cette nouvelle aventure. Alors on va maintenant découvrir. Alors en tout cas. Alors vous êtes des amis. Alors face à vous. Alors vous êtes amis. Alors la chef dans la vie et du coup à la cuisine ça va se passer comment alors? Lorca a d'ailleurs mis un peu de temps à se synchroniser avec les décomptes. Il reste 20 secondes. 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Stop. Chaque mercredi, Infrarouge nous propose des débats captivants. Là, on parlait de tapis avec Christian Luchaire. Qui, un jour, se prend les pieds dans le tapis. On prend les pieds dans le tapis, puis ensuite, il est obligé de dérouler une histoire qui s'est pris les pieds dans le tapis. Eh bien, il s'en couple dans plusieurs tapis successifs. Des débats qui passionnent également le public présent dans le studio. N'est-ce des pas, madame? Des centaines à donner votre avis. Sera avec nous. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas tous les éléments de cette affaire rocambolesque. Bye bye. Bon, même pas un petit applaudissement à la fin. Alexis Favre, qui est par ailleurs aussi précis dans ses chiffres que les politiciens. À l'heure actuelle, vous avez été plus de 600, ce qui est pas mal à répondre. Et on a assisté à un éclair de lucidité. Finissez, écoutez, finissez, ça sert finissez. À rien. De, non, non, ça sert à rien de débattre si chaque fois que j'ouvre la parole, je dis n'importe quoi. Dans TTC, Yann Duhed est venu parler d'une crise sans précédent. Yann Duhed, est-ce que c'est une crise sans précédent? Ah oui, c'est une crise sans précédent. Et Patrick Fischer nous a rappelé que l'hiver approche. Pas d'obligation. Mise au point nous a présenté un paysan neuchâtelois qui voit grand. Stéphane Jeanneret, surnommé l'Américain, voit grand, très grand. Mais qui voit surtout lui. C'est pour ça que moi, quand je vois l'initiative qu'ils ont faite, ben moi, ce que je veux, c'est promouvoir notre produit de proximité, notre viande suisse. C'est pour ça que moi, j'ai envie de produire de la viande d'ici. Moi, c'est ça qui me plaît là-dedans. Dans ABE, Manuel Pernoud avait bien bossé ses haches aspirées. La nouvelle star de l'apéro, le houmous. Pour d'autres, c'est le houmous qui est hype, je traduis à la mode. Healthy food, je traduis encore. Mais qui a bien pu inventer le houmous? Gilles Marchand est intervenu dans le 19-30 pour expliquer les futurs changements à la SSR, des changements de fond. Au fond, en matière d'économie, c'est au fond dispersé. Et bien, nous arrivons au fond à occuper le public, au fond à l'environnement médiatique. Dans Couleur Locale, Julien Folroten avait la pêche. Et autre artiste romande présente ici au festival Un Autre Monde, vous, Format. Bonjour. Bonjour. Et finalement, on a regardé Canal 9 entre les vendanges. En Angers. Déguster du vin. Les vendanges. De la vigne valaisanne. Alors, vigne et au vin. Acquérir les vignes. Et la foire du Valais. Hello, apéro time. On pense qu'il devrait changer de numéro. Canal 20.